Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine 2 du cours d'Excel avancé. Aujourd'hui, on va s'occuper des graphiques. Donc, pour ceux qui suivent ces vidéos de Lisette, les fichiers Excel sont à disposition sur Moodle. Alors, après votre premier cours, vous avez été capable de remplir un peu vos tableurs, de commencer à y mettre des données, à les mettre en forme et aussi à faire vos premiers calculs. Maintenant, vous êtes capable donc d'avoir des données qui pourraient être là, un relevé de votre consommation électrique ou d'autres choses, et vous aimeriez bien les mettre en forme. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on va faire à une autre échelle dans le travail qui est la mise en forme des données de Cyansano concernant le Covid. Et souvent, ce qu'on voit le plus dans les rapports et qui intéresse le plus vos lecteurs, c'est d'avoir des graphiques. Donc dans cette première vidéo, on va passer par les graphiques recommandés. En particulier, on va voir comment créer un graphique via le graphique recommandé, de sélectionner les données qu'on veut mettre dedans et de voir un peu ces différents types de graphiques. C'est parti. Donc dans mon classeur, je pars dans la première feuille, qui est juste le titre, et je vais dans la deuxième feuille. Donc ici, j'ai déjà écrit les données pour vous. Ces données, c'est quoi? Bon, j'ai pris différents exemples, mais ici c'est le nombre de faillites pour la Belgique et les régions de 2008 à 2014. On peut voir donc que j'ai des en-tête, ici, et là, et mes données au milieu. Il y a plusieurs manières de créer un graphique. Dans tous les cas, on va partir du ruban. Alors la fois dernière, on a vu bien le ruban accueil avec la partie plutôt copier-coller, la partie police, un peu l'alignement. Pas mal de temps sur le format et un peu ici la somme est effacée. Mais cette fois-ci, on va un peu plus s'intéresser à l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, je peux créer des tableaux, on verra ça plus tard. Je peux insérer des images, des formes. Par exemple, ceci, c'est une forme. Je peux aussi insérer des graphiques. On va voir aussi les sparklines dans ces vidéos-ci. Et d'autres choses qui parlent un peu d'elles-mêmes. Si vous voulez faire des commentaires en travaillant en plusieurs, si vous voulez mettre un hyperlien. Alors c'est assez important que vous compreniez le vocabulaire. En soi, retenir que c'est ici qu'il faut créer le graphique n'est pas très compliqué. Vous voulez ajouter quelque chose sur votre page. Bah, le mot technique pour ajouter quelque chose sur une page dans un document, c'est insérer. Et donc en anglais ce sera insert et ici c'est insertion. Donc dans insertion, je vais insérer un graphique. Ah, ici, j'ai plein de petits schémas qui représentent des graphiques. Après le cours, vous serez un peu plus habitué à ceci, mais par exemple, là, j'ai l'histogramme, etc. Et vous voyez, ces graphiques sont toujours vides. On va employer des fonctionnalités assez pratiques d'Excel. Et donc, on va éviter de passer par là, même s'il y a moyen, et si vous voulez faire des choses parfois un peu plus complexes, c'est nécessaire. Mais dans votre cas, les graphiques recommandés, qui est le gros bouton ici, suffisent. Comment est-ce qu'ils marchent? Bah, il faut d'abord sélectionner les cellules contenant les données à utiliser. Et comme d'habitude, Excel vous aide vraiment beaucoup, hein. On vous dit si les lignes et les colonnes, mes lignes ici, mes colonnes ici, portent des noms, 2008, 2009, région flamande, région Bruxelles-Capitale, et qu'on les veut comme étiquette, on va dire pour la légende, etc., on les prend. Bah, c'est parti, je vais tout prendre. Alors pour les raisons de l'exercice, je vais m'arrêter aux régions sans prendre la Belgique dedans. Donc je sélectionne tout, donc pas juste les données. Mais aussi bien mes en-tête. Je vais dans le graphique recommandé. Et là, on voit différents types de graphiques. Ça, c'est un peu la magie d'Excel. Si vous avez une vieille version d'Excel, c'est possible qu'il propose d'autres types de graphiques et que certaines propositions soient un peu mieux, un peu moins bien. Plus on avance, et c'est là que c'est chouette d'avoir une version vraiment à jour avec Office 365 d'Excel, plus je trouve les. Enfin, c'est personnel, mais plus je trouve les propositions pertinentes. Il y a plusieurs années, quand je jouais sur Excel, très souvent, je vais créer beaucoup plus les graphiques à la main. Qu'est-ce qu'on a comme type de graphique? Alors, j'insiste, c'est les petites données par Excel. Ici, on fait ce que j'appelle de la mise en forme de données. Ça va être votre travail, à partir d'un tableau, d'être capable de faire des graphiques qui représentent ce que vous avez envie. Par exemple, pour mettre dans votre TFE, pour envoyer dans un rapport ou quoi. Par contre, je ne vais pas voir avec vous l'analyse de données. Qu'est-ce que ça représente un histogramme? C'est quoi la fonction de densité de probabilité? Comment bien faire un graphique? Qu'est-ce qui est relevant? Etc. Premièrement parce qu'on n'a pas le temps, deuxièmement parce que c'est plus du ressort du cours de statistique. Et donc ici je vais vous donner les noms
par Excel en français. Donc ici, ce graphique s'appelle le graphique en type courbe. Alors ne vous laissez pas tomber par ce nom, qui est franchement très mal choisi. Parce que j'ai dit qu'on allait faire que de la mise en forme, mais on va quand même un tout petit peu parler quand même de ce qu'il y a dans ces graphiques. Ici, c'est évidemment pas des courbes. Ça ressemble à des courbes, c'est ce que ça montre. Maintenant, essayons de comprendre un peu ce que fait ce graphique. Et ben, on a ici mes catégories 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, qu'on retrouvait ici, c'est mes colonnes. Et on a mes valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi? C'est les données qu'on avait dans les cases ici. Et donc on voit que la région flamande en bleu, on est ici vers 4200, ben, ça doit être le 4273 faillite en 2008 pour la région flamande. Et puis on voit que la seule donnée que j'ai après, pour la région flamande, c'est 2009, 4983, ici. Et donc c'est quoi un graphique en courbe? En fait, il met des points. On a un point ici en 2008, un point ici en 2009. Et pareil, 2010, etc. Et après, le graphique courbe va relier ces deux points. Et là, il a décidé de le relier en ligne droite. Mais c'est important que vous vous rendez compte que cette ligne droite n'a aucun sens. C'est juste visuel pour nous aider à voir un peu, ah oui, ça monte. Mais ça ne veut pas dire qu'entre 2008 et 2009, pile poil au milieu, on était pile poil à la moitié entre 4273 et 4983. Non, peut-être que les faillites ont eu tout lieu en été, quand il y avait moins de monde qui venait, alors que pendant les fêtes, là, il n'y a quasi pas de faillite. Et donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça. C'est pas parce que c'est une ligne qu'on a plein de points, etc. C'est Excel qui l'a dessiné, la ligne. Ça, c'est le graphique en mode courbe. On a après ce qu'on appelle les histogrammes, ou dans ce cas-ci, on va dire des graphiques en barre verticale. Il y a plusieurs types d'histogrammes. Celui-ci, c'est l'histogramme groupé qui vous propose, où on voit pour 2008 de nouveau mes trois régions à chaque fois. Alors, vous voyez que chaque graphique a ses avantages et ses inconvénients pour ce qu'on veut mettre en avant. C'est quelque chose que vous connaissez, si peut-être trop vous en êtes déjà rendu compte, mais dans la presse, évidemment, chaque fois qu'on présente un graphique, ils ne sont pas choisis au hasard. C'est quand on veut mettre en avant quelque chose. Et donc, on va bien choisir ce qu'on veut que le lecteur retienne. Par exemple, ici, on voit assez peu, il faut se concentrer, que toutes les faillites augmentent d'année en année. La première chose qui saute aux yeux, de mon point de vue, hein, c'est chaque fois une interprétation personnelle, mais ce qui saute le plus aux yeux, c'est qu'il y a moins de faillites en région de Bruxelles-Capitale qu'en Wallonie, qu'en région flamande. Et que c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Dans le précédent, on voit que ça monte chez tous les trois. Et qu'il y en a plus aussi en région flamande. Bon, je ne vais pas faire un cours d'économie pour expliquer pourquoi, je vous laisserai chercher pour ça si ça vous intéresse. Donc voilà, il n'y a pas un bon graphique parmi ces deux-là. Ils sont tous les deux corrects, il y a tous les deux les données dessus, donc on ne peut pas dire qu'il y a de la manipulation, mais vous voyez que c'est pas la même chose qu'on retient en premier quand on regarde ces graphiques. Le suivant est intéressant. Le suivant, c'est un graphique d'air, mais d'air empilé. On va d'abord parler des airs. Donc prenons le plus bas, la région flamande. Ben là, c'est la même chose. En fait, il y a deux points. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Ça, c'est vraiment les données précisément. J'ai deux points. Ici, j'ai le point 4273, là, et le point 4983. Alors quand je dis qu'il y a deux points, il y a évidemment tous les suivants. Mais là, je veux juste expliquer le début parce que la suite, c'est pareil. Ben, ces deux points, autant dans les courbes, ils étaient reliés, autant dans les histogrammes, on avait mis des barres jusque-là et ils n'étaient pas reliés. Ben, ici, on les relie et on dessine toute l'aire en dessous. Pour donner un visuel de ça, comprendre toutes ces terres-ci. Maintenant, ces aires, elles ne sont pas dessinées comme les courbes ici, l'une en face de l'autre, on va dire. Elles sont dessinées les unes au-dessus des autres. Regardons un peu la région de Bruxelles capitale. Là, on est à 1800. 1800, ce serait ben, ici environ sur le graphique. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. On voit qu'on est plutôt à 6000. Pourquoi? Parce que mes aires sont empilées. La région de Bruxelles capitale, il faut la compter à partir du bleu, donc de 4273. Et on commence à partir de là, puis 1, 2, 3, jusqu'à 1800. Et donc, on arrive environ vers 6000, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, très attention quand vous lisez ce genre de graphique. J'ai pas 6000 faillites par an en région de Bruxelles-Capitale. J'en ai 1800. J'en ai 6000 au moins 4000 en fait. Qu'est-ce qu'il a comme type d'avantage? Ben, on peut voir en comparant les aires qu'il y a plus de faillites en Flandre. Qu'a priori, c'est même 50-50, hein, environ la moitié des faillites vient de la région flamande, le reste des deux autres régions. Et on voit aussi quelque chose qu'on n'avait pas facilement sur les autres graphiques, le total.
De fait, si on va voir tout en haut, ben on a la région flamande, plus la région Bruxelles-Capitale, plus la région wallonne. Et donc on arrive à 8500 environ, et on voit ici, ben oui, ça correspondait bien à ça, 8476 pour la Belgique. Pratique ce genre de graphique. Maintenant j'y pratique, mais si je demande rapidement, tiens, en 2011, combien il y avait de faillites, ben vous allez devoir regarder, ah, je suis environ 4500, et... alors qu'ici, c'est tout de suite, on est, voilà, 2500, il n'y a pas besoin de faire d'additionner. Par contre, ici, si je vous demande c'était quoi le nombre de faillites totales, est-ce qu'il augmente ou diminue, là, vous allez être beaucoup plus embêté. Donc, chaque fois, des graphiques différents, dans des buts différents, mais avec toujours les mêmes données. Mes histogrammes, ici, sont groupés. On peut faire la même chose avec les histogrammes, on peut les empiler. Encore une fois, pareil, on a d'abord la région flamande. Au-dessus de ça, on a empilé la région de Bruxelles-Capitale et au-dessus, la région wallonne. Et enfin, dans les graphiques recommandés, parfois, Excel, il essaye, il fait de son mieux, mais il vous propose des trucs complètement stupides. Typiquement ici c'est le graphique en entonnoir, alors on va pas voir ce que c'est dans le cours, ça m'intéresse pas et vous l'en pourrez sans doute pas. Mais en tout cas ici c'est pas du tout un graphique qui serait utile pour ce qu'on veut. Pareil pour les bins ici qui ont été choisis, les bins c'est les boîtes si vous voulez, qui sont assez sans intérêt. Voilà quelques graphiques, il faut savoir que ces graphiques recommandés vont changer si vous changez les données. Et les propositions aussi. Typiquement, si je prends ici juste ce tableau-là et que je refais le graphique recommandé, vous voyez qu'il me propose un graphique en secteur ou en camembert si vous aimez bien le fromage. Alors, ici, encore une fois, on a cette notion d'air. Vous voyez qu'on avait remarqué déjà que la région flamande compte pour environ 50%. Mais ici, c'est assez clair que ça compte pour environ 50%. Il n'y a pas de question, c'est très visuel. On voit que la région wallonne compte pour un peu plus de la moitié, et on va dire que la région Bruxelles-Capitale compte pour un tiers, quelque chose, pardon, un sixième, quelque chose comme ça. Un cinquième plutôt. Voilà. Et donc ici, voilà, il vous pose aussi ce genre de graphique qu'on ne doit pas voir parce que ça ne nous intéresse pas ici, mais qui est clairement pas relevant. On peut aussi avoir des barres horizontales. Voilà, à vous de voir. Et je trouve que c'est pas mal à votre niveau de regarder un peu ce graphique et se dire qu'est-ce qui représente vraiment ce que je veux. Maintenant, c'est important d'avoir un œil critique. C'est très dangereux de n'avoir aucune idée d'à quoi doivent ressembler nos données, de juste sélectionner et de faire le graphique. Il y a des erreurs qui peuvent arriver comme ça très rapidement et qui ne vont pas du tout montrer ce qu'on veut. Heureusement, Excel s'en sort la plupart du temps. Mais bon, pour prendre un exemple extrême, voilà, si je demande ce graphique-là, ben, vous allez vous dire que c'est un peu bizarre. Donc c'est toujours important de savoir ce que vous voulez représenter. Voilà donc pour les graphiques. Pour l'instant, ici, on va partir, disons, sur le graphique en courbe.